morale vient de plus loin. À peine office d'Égée sous les lois de l'hymen, je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis. Je rougis. Je pâlis à sa vue. Je le vis. Je rougis. Je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étranger et brûler. Racine écrit Phèdre en 1676. Il s'inspire d'Euripide, un auteur grec ancien, et d'ailleurs l'histoire se passe en Grèce, à Trézène. Phèdre est la femme du roi Thésée, qui est parti au loin. Elle nourrit une passion dévorante et impossible pour Hippolyte, son beau-fils, qui ne se doute de rien. On annonce la mort de Thésée. Phèdre se croit libre et déclare son amour à Hippolyte, qui ne sait pas quoi dire. En fait, Thésée est bien vivant. Il revient à Trézène. Phèdre, honteuse, épouvantée, se débat dans sa faute et fait accuser Hippolyte de l'avoir séduite. Il est banni et assassiné. Dévasté de chagrin et de culpabilité, Phèdre s'empoisonne et, avant de mourir, avoue sa trahison à Thésée. Phèdre, c'est une tragédie, c'est-à-dire l'histoire de gens qui n'en sortiront pas vivants. Alors pour vous, qui est Phèdre ? Dame Ned. Commence par. Qui est Phèdre ? Je pense que c'est une gigantesque amoureuse, amoureuse majuscule. Et c'est comme ça qu'elle est intéressante à défendre. Elle est issue à la fois de l'obscurité et de la lumière. Phèdre, ça veut dire la brillante. C'est le sens du mot Phèdre. Voilà, ça vient du grec, je ne sais plus, Phèdros. Enfin, c'est la brillante, la définition. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'on va voir arriver sur scène dans une lumière crépusculaire et qui finira de la même façon et qui finira par mourir sur scène. Phèdre, chez Racine, c'est l'aboutissement d'une longue lignée de Phèdre qui viennent de l'Antiquité et dont le premier et le plus illustre représentant de l'histoire de Phèdre, c'est Euripide, évidemment, qui a écrit au moins deux pièces, dont une qui a été conservée, qui est la pièce qui s'appelle Hippolyte. Et d'ailleurs, c'est là que c'est intéressant, parce qu'à l'origine, le personnage important, c'est pas Phèdre, c'est celui qui va mourir, condamné par son père, à cause d'une accusation de Phèdre. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu du sujet, le sujet original, c'est comment un père est conduit à sacrifier son enfant. Parce que c'est une femme de papier qui naît en Grèce. Oui. Sous la plume d'Euripide, ensuite chez les Romains, ensuite qui est repris au XVIIe siècle. Mais pourquoi ça reste un monument? Parce que Racine a réussi à faire ce qui était véritablement inconnu avant lui de façon aussi puissante, un drame psychologique. C'est-à-dire comment on est passé d'un drame conflictuel, d'un conflit père-fils, fondée sur l'idée de l'infanticide, quoi. C'est une des réflexions mythiques de l'homme sur l'infanticide. On est passé, en fait, à un drame psychologique lié à la passion. Je ne me soutiens plus. Ma force m'abandonne. Mes yeux... Continue à avancer, très lentement. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois. Est-ce que tu peux les toucher? Pardonne-moi. C'est... Ma force m'abandonne. Mes yeux... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont, messieurs? Je ne me soutiens plus, ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois. Ce qui est tragique au XVIIe siècle, à l'époque de Racine, pour Racine, c'est ce qui réussit le mieux à susciter
l'effet tragique, à savoir provoquer des émotions sur le spectateur, qui sont la frayeur et la pitié. C'est-à-dire que pour le XVIIe siècle, on a distingué depuis le XIXe les notions de pathétique et de tragique. Le pathétique, c'est ce qui crée justement des émotions chez les spectateurs, et pathétique, il y a souvent une coloration péjorative dans la notion de pathétique. Alors que peut-être pas tragique, non. C'est la grande pensée de... C'est la frayeur et la pitié. Voilà. Ce qui inspire de la frayeur et de la pitié, le tragique. Ce sont les deux émotions. C'est-à-dire que la tragédie doit provoquer du plaisir chez le spectateur à travers ces deux émotions que sont la frayeur et la pitié. Et là, tu te dis sans que nos pleurs vous apaisent. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin d'assembler mes cheveux. Oui, alors c'est très très bien. Mais si on peut avoir l'impression que réellement, que ce ne soit pas une façon de parler, que réellement les voiles pèsent, appuient et brûlent, je t'assure que ça, c'est gagné. Enfin, c'est gagné. C'est magnifique, enfin, tu vois. Tout est insupportable, même un voile. La première scène est d'une scène d'une grande difficulté. Puisque c'est l'entrée de quelqu'un qui va mourir et qui ne veut pas parler. Et c'est Enone qui va lui libérer la parole, en quelque sorte. Et moi, je me suis rendu compte qu'en répétant cette scène dans un décor, dans une salle de répétition où on avait au sol le décor probable, y avait une chose qui était interdite dans ce palais, c'était le mot d'Hippolyte. Qu'elle a interdit depuis très très longtemps et qu'elle s'interdit elle-même de prononcer. Et puis Enone, avec tout son amour maternel, son amour de nourrice et sa connaissance profonde de Phèdre, va arriver à libérer Phèdre de ce secret et tout d'un coup elle va raconter. Mais quand elle va prononcer pour la première fois le mot Hippolyte, il va se passer quelque chose d'incroyable. Et moi je me rappelle très bien dans les toutes premières répétitions que je me suis interdit le mot pendant très longtemps, et puis tout d'un coup, il est sorti par bribes, par hésitation, par spasme, avec une respiration saccadée, et tout d'un coup, dès que j'ai eu dit ça, j'ai eu l'impression que j'allais immédiatement mourir, quoi. J'aime ! Qui ? Tu connais ce fils de l'Amazone ? Ce prince, si longtemps par moi-même opprimé. Hippolyte. Grand Dieu. C'est toi qui l'as nommé. Juste ciel. Tout mon sang dans mes veines se glace. Oh, désespoir. Oh, crime. Tout le discours de Phèdre est un discours d'ellipse, c'est-à-dire qu'elle... Les mots importants sont tus, restent dans le silence. Et en particulier le nom important, quand elle ne peut pas dire je l'aime, ni je t'aime, quand elle rencontre Hippolyte dans la seule scène où ils se croisent. Elle dit j'aime, comme si la seule manière dont on peut dire l'amour, c'est de façon intransitive. C'est j'aime, mais ne me demande pas de nommer celui que j'aime. Et c'est la confidente qui effectivement prononce le nom d'Hippolyte. Elle lui dit c'est toi qui le prononce. Comme un soulagement, mais comme si elle ne pouvait pas dire cette phrase, sujet, verbe, complément, j'aime, moi, Phèdre, j'aime, Hippolyte. Comme si l'amour n'avait pas de complément d'objet direct. Et moi j'aime bien cette idée. En effet, l'amour n'a pas de complément. L'amour était la poursuite de quelque chose qui sans cesse lui échappe. Est-ce qu'elle est incestueuse pour vous, sa passion? Oui, mais est incestueuse. Pour moi, elle est incestueuse parce que je ne peux pas ne pas m'identifier à Hippolyte. Je ne suis pas. J'ai un peu passé l'âge, certes, mais bien sûr, je ne peux pas ne pas m'identifier à Hippolyte. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas songer à ce qu'il en est là, sans éprouver un trouble. Un trouble. Elle vous trouble. Ah ben, Phèdre, elle n'existe que pour moi que parce qu'elle me trouble. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins.
c'est l'interdit de l'inceste. Mais en l'occurrence, il y a une toute petite faille quoi, dans cet interdit. Hein, ce n'est pas la mère. Mais au fond, je ne peux imaginer Phèdre qu'en tant que... Je ne peux imaginer qu'une femme mûre dans le rôle de Phèdre. Parce que probablement, j'ai besoin de me retrouver à la place de l'enfant. Hein. À la place d'Hippolyte. À la place d'Hippolyte. Et que oui, je peux halluciner, rêver d'être qu'elle me prenne dans ses bras. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Vois tous ces veux. Alors pardonnez-moi, c'est très très bien. Quand ça fait ça, Chloé, est-ce que tu crois que tu pourrais tout à coup te retrouver cambré en arrière, comme pour boire des rayons de soleil, tu vois? Je vais le dire autrement, c'est très incestueux, c'est le gars le dire, puisque le mot inceste revient sans arrêt. Or nous, aujourd'hui, au 21e siècle, on dit comment inceste? Il n'y a aucun inceste là-dedans. C'est un jeune homme qui n'a rien à voir avec Phèdre, Hippolyte. Il se trouve que c'est le fils du mec avec qui elle est officiellement. Mais et alors, c'est peut-être interdit moralement parce que ça ne se fait pas socialement, mais ce n'est pas un inceste au sens pur du terme. Hein, tu vois, ce n'est pas son frère, ce n'est pas son père. Et donc, ni son fils. Et donc, mais ça a valeur de fils, tu vois. C'est un inceste très édulcoré, moral, mental, pas physique. Et en l'occurrence, il y a quand même de l'inceste. C'est-à-dire, le goût de l'inceste se promène tout le temps là-dedans. Mais si inceste il y a, je proposerais que ce soit avec son grand-père ou son arrière-grand-père, je ne sais pas, le soleil, tu vois. C'est-à-dire que tu te fais pénétrer maintenant par les rayons du soleil. Ça, oui. D'accord. Et avant, après... Là, maintenant, tout m'afflige et me nuit et conspire. Ah, que c'est bon, que c'est très mauvais, que c'est dégoûtant, que c'est formidable. Les deux à la fois. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuit. Et alors, est-ce que vous pouvez me parler de cette question des dieux avec Phèdre? Qu'est-ce que c'est cette relation avec les dieux? Cette passion qui naît en elle, ça ne peut pas être de sa propre volonté, ça ne peut être que de la volonté de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est qui? Ça ne peut être que les dieux. Donc il y a d'emblée la nécessité morale, en quelque sorte, d'introduire la présence des dieux dans la pièce. Et c'est la raison pour laquelle elle dit elle-même, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée en se définissant comme la victime de Vénus. Mais Vénus, c'est quoi? C'est une formule pour désigner l'amour, bien sûr. C'est pour dire, c'est plus fort que moi. Voilà, exactement. Son mal vient de plus loin. Alors, dans la mythologie classique, on dit qu'il vient des dieux, qui ont condamné les personnages de la tragédie à errer, en proie à leurs désirs et à l'impossibilité de les assumer. Et puis, on vient de plus loin, il y a aussi le thème de l'enfance. Hein, c'est que la fille de Minos et de Pasiphae, elle est prise dans toute une généalogie de folie, de sang, de meurtre, de souillure, de blessures. Pour moi, le personnage de Phèdre, avant tout, c'est une violence majuscule. Hein. Et c'est une violence qu'on demande très rarement aux comédiennes. C'est-à-dire que souvent, la violence, c'est un sentiment qui est réservé aux hommes. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui, dans mon flanc, ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Et nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était ça, c'est-à-dire retrouver ses racines pour retrouver cette violence du désir, cette violence de l'interdit, cette violence contre elle-même. Parce que moi, ce qui m'a frappé le plus quand je l'ai relu, c'est cette haine de soi qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle a une telle, dégoût
Oui, des goûts d'elle-même, des goûts physiques, des goûts intellectuels. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a un rapport de haine avec elle-même qui est très très profond, quoi. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts? Quand pourrais-je, au travers d'une noble poussière, suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière? Insensé. Où suis-je? Et qu'ai-je dit? Oui, alors c'est très bien, mais il ne faut pas s'arrêter. C'est très bien. Un petit temps. Être dans la forêt, ça veut dire, est-ce que je pourrais revenir à quand j'avais, je ne sais pas moi, 6 ans, 5 ans, et que j'étais pas vraiment sexué, j'étais tranquille, il y avait mon papa, ma maman, et j'étais là et je jouais au ballon, voilà, j'étais tranquille dans la forêt. C'est fini, trop tard. Plus jamais je n'aurai cette innocence-là, plus jamais j'aurai les forêts. Et, mais le mot forêt, et d'ailleurs, c'est Hippolyte qui est formidable, qui sera ma nouvelle fraîcheur. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est de la folie pure de la part de Racine. Elle jouit de sa souffrance. Certainement, oui, certainement. Certainement. Si on cherche bien, on doit trouver dans les mots qu'elle dit sa jouissance. Oui, bien sûr. Quand elle parle du feu, de la dévoration, le feu, c'est à la fois effectivement ce qui... Je vis, je rougis, je pâlis, à ce genre. Voilà, c'est quand même tout... Ça, c'est très magnifique chez Racine, c'est la physique du corps. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Avec le vie et le vu, il y a un jeu sur les sonorités, sur les voyelles, et c'est absolument magnifique. Oui, ça, effectivement... Là, on peut penser qu'elle est... Me nuit, et conspire à me nuire, il y a ce aspire, nuit, oui, il y a l'espèce de chant, de musique de l'autre, de musique de la souffrance qu'on a besoin d'exprimer dans le rapport à l'autre. Et c'est un immense écrivain, ne serait-ce que pour ça, parce qu'il a la langue, justement, qui répond à cette... enfin, qui traduit cette sensualité, ce corps en souffrance, qu'est le corps de l'amoureuse. Quand ça s'est arrêté, moi, j'ai eu beaucoup de mal, parce que quand vous incarnez votre propre mort pendant 3 mois, on va chercher dans des fondations, des soubassements, des racines, sans jeu de mots, qui sont lointaines, qui sont profondes. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, par contre, après. En fait, elle m'a dévastée tout entière. Alors, pendant les représentations, c'était incroyablement joyeux, parce que ce désespoir, cette envie de mort, cette destruction, j'adorais incarner ça, c'était... physique et profondément jouissif, et il fallait beaucoup d'énergie, et je l'avais. Et puis, quand vous vous retrouvez après le soir à 20h30 chez vous, et qu'il n'y a plus tout ça à jouer, il y a quand même encore tout ça qui est là en vous, et qui ne sort pas. Et donc, la tendance, c'est retourner toute cette violence contre soi, qui est d'ailleurs la tendance de Phèdre. Et c'est là qu'on devient son pire ennemi. Et c'est là que c'est difficile. J'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà jusqu'à mon cœur, le venin parvenu dans ce cœur expirant jette un froid inconnu. Déjà, je ne vois plus qu'à travers un nuage et le ciel. Et l'époux que ma présence outrage. Et la mort, à mes yeux, dérobant la clarté, rend au jour qu'il souillait. Toute sa pureté. Comment pouvez-vous supporter l'image de quelque chose d'horrible alors que si vous voyez la chose dans la réalité, vous ne supporteriez pas? C'est aujourd'hui la photographie, par exemple. Vous avez des photographies de,
de reportages de rue, des trucs comme ça, où vous avez des images. Enfin, je veux dire, la scène se passerait dans la rue, ou des cadavres, etc. C'est insupportable pour vous ou moi de voir ça en réalité. Alors que vous le voyez en photo, ça provoque, on peut le supporter parce qu'il y a une dimension dans la reproduction de plaisir. Donc, qu'est-ce qui nous fait plaisir chez Phèdre ? Ce qui nous fait plaisir chez Phèdre, c'est d'éprouver le caractère poignant enfin, comment dirais-je, quelque chose qui pointe en nous dans le fait d'assister au débat intérieur d'un personnage qui est conscient, qui va vers la mort les yeux ouverts. Et qui le dit. Et qui le dit de façon poétique. Pourquoi c'est important de jouer et d'entendre Phèdre aujourd'hui ? Mais surtout de l'entendre, parce que je pense que l'histoire, bon, c'est une histoire simple et par certains aspects qui est très connotée, 17e siècle, morale, châtiment des crimes impurs, bon, qui peut-être touche moins aujourd'hui. Mais en revanche, la langue, qui est d'une telle splendeur de sonorité, de sens, et de mystère, je pense qu'elle est aujourd'hui nécessaire comme jamais. Enfin, je veux dire, quand on lit ou quand on entend cette pièce, quel que soit l'âge qu'on a, quel que soit le sexe qu'on possède, c'est une langue qui vous transporte dans la pure beauté. Hein. Mais une beauté, justement, qui n'est pas forcément chargée d'un sens, chargée d'un message, surtout pas... c'est le message de Racine et de Phèdre, c'est difficile d'aimer. Alors ça peut paraître très banal, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend à nous ? À vous d'abord. Moi, elle m'a très certainement appris à aimer. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'avant Phèdre, vous n'aimiez pas pareil qu'après Phèdre ? Oui, je pense qu'elle a une soif d'absolu dans lequel moi je me suis reconnue tout entière, mais développée encore plus. Alors ça, je sais pas si ça aide pour vivre, mais c'est pas commode. Mais en tout cas, oui, il y a une espèce d'élargissement comme ça qui s'est produit, comme un espèce d'état amoureux absolu qui... C'est un personnage qui vous grandit, de toute façon. Donc ça aide à vivre, quand même. Ça aide à comprendre quelque chose de la vie, ces mots-là, cette personne-là. Ben, on se dit, on n'est pas seul à avoir vécu ça, et c'est juste de l'art. Alors, ça peut être beau aussi d'aimer comme ça. Ouais. Même si c'est violent et foudroyant. Mais c'est magnifique, parce que c'est une flamme, la dernière, qui ravage tout. C'est l'incendie de Rome, et après, il y a des cendres, quoi. Mais au moins, elle a vécu comme une cinglée et d'aimer comme ça, quoi. Et... Tout en flamme. Non, mais c'est juste parce que c'est beau aussi, que ça aide à vivre. Enfin, les beaux textes, quel que soit ce que ça raconte. C'est seulement la beauté ? Non, pas seulement, mais aussi parce que c'est juste beau, quoi. Noble et brillant auteur d'une triste famille. Toi dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Alors c'est vachement bien. Est-ce que tu peux avoir été, entre guillemets donc, plus aigu pendant les trois premiers vers ? Et plus grave dans le dernier, tu vois. Dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois. Peut-être, hein. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Tu vois, pour que ça soit une résolution terrible, dans les deux sens du mot résolution. Ouais. Résolution, comme on dit en musique, et résolution, elle est résolue, c'est fini, quoi. D'accord. Noble et brillant auteur d'une triste famille, toi dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois.
Soleil, je te viens voir pour la dernière fois.